Il y a toute une série de poèmes de jeunesse, notamment de poésie d'amour, qu'il compose avant ses 25 ans. Après, il y a un ouvrage qui est vraiment singulier et que normalement on définit un ouvrage sournois, et c'est sa Vita Nova, ou Vie Nouvelle, qui donne aussi les titres à notre volume, qui est un recueil de poèmes qu'il a composé avant, mais accompagné d'un commentaire, un prose, qui a un peu la visée de faire les récits de sa vie jusqu'à ses 25 ans. Et après, il y a aussi d'autres traités, beaucoup plus engagés, notamment un traité sur l'éloquence, un traité de philosophie morale et un traité de politique, donc de l'éloquence en vulgaire, le banquet et la monarchie, qui sont des ouvrages qu'il compose par contre après son bannissement de Florence et qui sont fort probablement liés à un projet, disons, d'insertion professionnelle, donc à une tentative de se montrer comme capable de discuter de plus hautes matières et peut-être aussi de trouver un travail. En s'accréditant comme intellectuel. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il reçoit sans doute une première formation qui était fort probablement orientée au fait de devenir, disons, notaire ou juge. C'était probablement ça la visée de sa famille. Et ça avait du sens puisque Dante appartient à une famille qui, du peuple. Donc, disons, la bourgeoisie avancée. Et souvent, dans ces familles-là, ce qu'on faisait, c'était d'adresser les deux enfants à deux métiers différents mais complémentaires, histoire de bien soigner les affaires de la famille. Et dans les cas de Nantes, par contre, on sait qu'il n'a jamais achevé ses parcours d'études. Donc, officiellement, il n'avait pas de métier. Et vous comprenez que quand on a une passion pour l'écriture, qui est à l'époque un divertissement, ce n'est pas vraiment un métier, et en même temps, on n'a pas un titre professionnel, ça pose des problèmes, d'où l'importance dans les œuvres de Dante de s'afficher comme quelqu'un qui est digne d'écoute publiquement. C'est un héritage immense. Traditionnellement, on l'a envisagé comme un grand poète au 19e, notamment en Italie, mais pas que, a été très important comme modèle littéraire pour, disons, des poétiques romantiques, mais aussi pour des questions, vous voyez, liées à l'identité nationale. Donc on l'adresse souvent, comme on l'indique souvent, comme les pères de la langue italienne, les pères de la nation, puisque c'est les premiers à parler d'une Italie, au moins comme communauté culturelle. Je dirais que maintenant, son héritage, c'est beaucoup plus libre et affranchi de toutes ces problématiques-là. Dans notre livre, nous essayons de pointer l'accent sur l'importance, chez un homme comme lui, du récit de soi. Donc, tout ce qui a à voir avec l'autoprésentation, la façon de façonner sa vie et son image publique. Et justement, à propos de ces questionnements-là, je dirais que Dante était singulier pour son époque, mais aussi un cas très, très intéressant à réfléchir aujourd'hui.